Bonjour à tous, ici Seizin44 pour une vidéo de présentation d'une application fort sympathique qui permet de screenshoter son appareil comme je le fais tout de suite. Voilà, donc on va commencer avec quelle est l'application utile pour screenshoter et comment s'en servir. Donc voilà, donc tout de suite je désinstalle en mode la planète parce que ça me sert pas à grand chose. Je sais pas, j'ai testé ça, ça marche pas. Donc tout de suite je vais vous montrer l'application Screencast. C'est celle-ci qui est utilisée pour l'application courante pour screenshoter son appareil Android. Donc elle est tout de suite à côté de Shazam, en haut de Skype et en dessous de S-Calendar. De calendrier, excuse-moi, S-Calendrier. Donc je vais dessus. Donc voilà, tout de suite, on atterrit sur cette page. Et donc là, je record, comme c'est marqué juste en haut à droite. Et là, avec le petit point rouge, si j'appuie dessus, vous ne m'entendrez plus, donc je ne vais pas le faire. Donc là, on peut accéder à tout ce qui est... tout ce qui est... bordel. Tout ce qui est vidéo que vous ayez enregistré à partir de cette application. Donc moi, je vais me mettre en 30. Oui, sûr. Donc voilà. Alors 42 FPS, c'est quand même balèze. Encoding score 2 millions 4000, c'est quand même balèze. Best score 25 000, 2550, ouais. Si j'ai mieux. Donc voilà. Après, on a vidéo résolution, je conseille height. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. Normal. Après, ça dépend de la qualité de votre appareil. Si vous avez un vieux téléphone type LG Optimus. Enfin, non, pas l'Optimus parce qu'il est quand même assez récent. Mais un vieux Sony. Un vieux téléphone, un truc. Médiocre, ouais, non, faudrait mieux mettre normal. Là, moi je mets height vu que je suis sur un Samsung Galaxy Note 2. No rotation parce que c'est ce qu'il y a le mieux. Automatique, c'est galère. Quand je joue à un jeu où on est en mode paysage, ça va le retourner. Du coup, vous verrez mal la vidéo. Et je préfère pas mettre rotate right ou left parce que voilà, c'est galère. Moi je mets 30 fps par seconde. J'ai un Galaxy Note 2, donc c'est bon. Je peux même mettre 40, mais ça va laguer comme un porc. Enfin, ils sont pas très jolis. Et je mets default file name vidéo. C'est le nom par défaut de ma vidéo. Donc moi, je changerai bien sûr après. Donc je mets append that to name. Voilà. Record audio micro, sinon vous m'entendrez pas. Hide video notification, je ne sais pas à quoi ça sert. Si, je crois que c'est pour les notifications de la vidéo. Minimize when record, c'est pour minimiser un petit temps de record, c'est-à-dire 30 secondes ou et quelques. Flip video Galaxy Tab 7, c'est pour recorder sur une Galaxy Tab. Le format du screenshot, c'est PNG. Voilà, c'est mieux. Screenshot field name, c'est shoot. Le reste, voilà. Après, pour continuer en mode screenshot, flip device to snap screen. Je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà. Donc pour utiliser cette application, nous devons router notre téléphone. Non. Donc voilà, avec l'image de Batman, non pas de Batman, de Superman,
qui est Super SU, en dessous de Shazam au téléphone, à côté de Skype et encore à côté de Surf Report. J'appuie dessus. Alors là, grâce à cette application qui nous permet le route, alors je vais pas vous expliquer à quoi sert le route, mais certaines applications demandent le route comme Screencast. Voilà, moi je route mon téléphone, c'est ce qui est le mieux. Freedom. Freedom permet de avoir des achats in-apps gratuits. Mobile Odin, je sais pas trop. Screencast, c'est ce que j'utilise en ce moment. 6-axis compatibility checker, ce qui va permettre de savoir si notre manette PS3 permet ou est utilisée pour utiliser une manette de PS3 sur un Galaxy Note 2 ou un appareil Android. Donc le 6-axis contrôleur permet d'utiliser notre manette. Donc voilà, journaux, on peut voir défiler tout ce que j'ai utilisé. Mobilodin, Freedom, Screencast, 6-axis compatibility checker, 6-axis controller, paramètres, passer à la version pro, j'en ai strictement rien à foutre. Donc mode survie. Aucune action spéciale ne sera prise pour s'assurer que l'accès super utilisateur est conservé. Journalisation, aucun contenu. Oh, je préfère pas trop. Je suis pas spécialisé dans le route. Donc voilà. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo et salut. J'espère faire d'autres vidéos de meilleure qualité que celle-là. Mais vu que c'est ma première vidéo sur ma chaîne avec mon vrai nom Seizen44, j'ai galéré ce matin là à chercher le nom. Donc voilà, je refais la vidéo vu que j'ai baisé toutes mes vidéos. Donc voilà, soyez indulgents et même si vous dites ma vie, je parle mal ou voilà, ma vidéo n'est pas très bien, je vous emmerde, voilà. Je vous emmerde. Tout de suite, je le dis, je vous emmerde. Donc voilà, je vous dis salut et peace out. Peace les gens et je vous aime.